Qu'est-ce qui se passe? L'heure est extrêmement grave. Ah bon? Et pourquoi? C'est grave. Les papous, le Congo sans sur Mélissa Elat est versé sur Facebook. L'histoire entre Blaise Option et Mélissa Elat, sa femme, nous révèle beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui doit venir, venira. La semaine s'est très chargée. Hein? Les femmes mariées avec la bordelerie ces derniers temps, c'est la chimamelu. Comment? Comment ça? Quelle est la crise encore qu'on a attrapée? De sortir le mari de quelqu'un d'autre. Hey! Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? C'est grave. Ça me fait mal de découvrir un truc pareil. Il y a deux jours, j'ai fait une vidéo sur les violences conjugales faites aux femmes. Sachez que les femmes ne sont pas comme les hommes. Hein? C'est-à-dire? Ça veut dire qu'est-ce que les femmes recherchent à la base chez tout homme? Je m'interroge. La stabilité, le confort, le minimum. En fait, la femme recherche le minimum. Savoir qu'elle peut dormir tranquille, elle peut manger. Si elle est malade, on va la soigner. Elle peut gérer ses petits besoins. C'est ce que toutes les femmes à la base recherchent chez un homme. Hein, papa? Ça, c'est clair. Maman, oh, donc quelqu'un peut abandonner un pain croustillant comme les options pour partir avec un pain racine. Genre que si tu manges même avec le lait, si tu t'amuses, tu ne mouilles pas bien, ça va caler dans ta gorge, tu vois, avant d'avaler. Je sais que quoi? Vous venez sur Facebook donner l'image des femmes parfaites. Je vous ai dit qu'il y a d'autres qui construisent les restaurants chaque jour. Je n'ai pas prononcé. Vraiment, c'est malheureux. Apparemment, Mélissa Elaté, une femme mariée, est devenue Chiza. Elle est partie, grand. Elle est partie. Laisse-la, elle est partie. Mais moi, hey! Voilà, c'est encore qui est sorti. Vous avez fait semblant de pleurer cette pauvre enseignante qui est décédée. Oh, elle aurait dû quitter le ménage et tout. Je vous ai dit, arrêtez avec l'hypocrisie. Et souvenez-vous, Aïcha Kamoise avait posté déjà une photo où on avait aperçu Mélissa dans une voiture qui était celle du mari de sa, de, d'une de ses amies. Il était environ, on avait environ 20 heures. Voici une femme, on a affiché sa vie aujourd'hui. Cette actrice, Mélissa Elat. La Mélissa en question a quitté son homme pour aller devenir la Chiza d'une de ses amies. Yeah! Vraiment, ça nous dépasse. On aussi là, on observe. Mmh. Voilà une actrice qu'on a encore attrapée avec le mari de quelqu'un. Ah! Femme! Et ce qui est drôle, c'est que Mélissa et son mari Blaise ont même assisté au mariage de l'ami en question. Ils étaient présents en fait. Donc, tu pars assister au mariage de ton ami pour par la suite voler son ami. Quelle déception! C'est pas un homme de Dieu, c'est un coucheur. C'est qu'aucune femme n'aime être l'arachide du deuil des gens. On peut faire ça. Et actuellement, les amis, elle est logée tantôt à Kribi, tantôt à Douala, partout, partout, par le gars en question. Le gars s'appelle Michel. Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! À peine on a affiché ça, je n'ai vu aucune femme, ne parlons même pas des hommes, se pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai dit que, laisse mon frère, hey! Les messages ne font que venir, la femme du mari, la femme du monsieur m'a appelé. Elle dit qu'elle ne laisse pas. C'est lui maintenant qui est en train de zanga Mélissa. Donc elle est quittée de femme mariée à Chiza. Les mots me manquent. Tout le monde est là, oh les barantés avec les cuisses légères, les femmes aiment trop la bordellerie et tout, personne n'a cherché à comprendre. Jusqu'ici, on voit tout le monde prendre le parti de Blaise Option et personne ne se demande, bon les gens se demandent ce que Mélissa Elat a pu subir dans ce mariage avant de partir, sauf qu'on lui pose la question, elle ne répond pas. J'ai dit que hier, maman. J'ai dit seulement que maman, moi, il y a aussi un homme marié là qui me drague aussi depuis comme ça. Il voulait craquer, mais il ne veut plus craquer. Avec tout ça, vous voulez que quand une femme se sente menacée, qu'elle quitte le foyer comment? Et bon, c'est marrant, rester là pour qu'on les tue. Il faut écouter les deux versions. Jusqu'ici, là, on a entendu la version. Bref, Blaise Option a dit quelques petits trucs. Il y a le voice de la femme du monsieur qui est sorti. On a ce que Aïcha Kamoise et là, on est en train de parler. Mais Mélissa Elat, elle-même, elle ne s'est pas exprimée. Elle n'a jamais dit ce par quoi elle est passée dans son mariage. Elle n'a jamais dit si c'était bon, si c'était pas bon, si c'était monté, si c'était descendu. C'est de ça qu'il s'agit. La bordellerie. On ne respecte plus le sacrement de mariage. C'est incroyable. Je comprends maintenant pourquoi récemment, là, Blaise est venu pour dire qu'il ne veut plus qu'on associe son nom à ce personnage. Parce que le gars a eu tellement la honte de sa vie. Parce que lui également, il a découvert que sa femme se faisait tout mal matin, midi, soir par un voisin. Parce que oui, Michel là et sa femme en fait sont voisins avec Blaise et sa femme. Seigneur. C'est comment? Et en plus ce qui m'étonne c'est que pas plus tard que hier ou avant-hier, Mélissa en question a fait un direct dans lequel elle disait que non, ce n'est pas parce qu'on la voit dans une voiture qu'on va croire qu'il y a des choses, elle est célibataire. Ah, déjà, la Gou avait déjà anticipé que
les choses allaient sortir sur Facebook en fait. Elle est sortie pour se défendre en fait. Je ne connais pas ce couple particulièrement, donc je ne sais pas si leur problème a trait à une violence conjugale ou autre. Mais dis seulement que vous êtes trop prompte à juger. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. C'est aussi compliqué. Il y a un homme mari qui me drague fort en ce moment. Toujours est-il que je vois aussi très mal une femme en train de quitter son poste de l'épouse principale pour aller être la titulaire, la njomba ou la tisa d'un homme marié là-bas. Vraiment, c'est malheureux. Est-ce que ça entre bien dans vos têtes en fait? Qui fait ça en fait? À moins que Mélissa et là, tu sois complètement hors contrôle, complètement ma boule, je sais pas. On va le juger. Les voix sont tout, je dois vous sacraliser. Le fait de la condamner sans même écouter sa version des faits montre à suffisance que vous êtes une société toxique. Mais oui, c'est clair. Si on observe le tableau, ils étaient supposés être le couple parfait. Même si c'est une femme qui quittait le ménage parce qu'on l'a battue, qui s'enfuyait pour aller se cacher, vous alliez toujours dire qu'elle fuit le mariage pour aller faire la bordellerie. Moi, honnêtement, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Si tu n'es pas prêt à te marier, à supporter les frasques du mariage, reste célibataire. Les influenceuses bordel comme ça, les influenceuses palapala, yeah. Si quelqu'un arrive à Yaoundé et qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbison. Dans cette cité, à 1,5 km du carrefour Colbison sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc si quelqu'un arrive, donc si un Benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.